Maintes fois reporté, le championnat national de pétanque s'est ouvert ce matin à Tillabéri. Toutes les régions ont répondu à cette édition de 2021, un réel motif de satisfaction pour le président de la Fédération nigérienne de sport boule. Le sport boule au Niger est en train de faire son petit chemin au plan national et international. À titre illustratif, le championnat d'Afrique qualificatif au mondial 2022 au Bénin a fait retentir l'hymne national du Niger. En effet, le Niger s'est brillamment qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Bénin. Je veux profiter de cette occasion pour remercier le ministère de la Jeunesse et du Sport pour son accompagnement dans l'organisation ou la participation aux différentes compétitions. Il serait ingrat de notre part de ne pas exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu recevoir les athlètes. Le président de la République a tenu à féliciter et à encourager nos vaillants combattants. Peu après le mot de bienvenue du président de la Ligue régionale de sport boule de Tillabéri, le maire de la commune urbaine de Tillabéri s'est, en donnant le coup d'envoi de cette activité, réjoui du choix de la capitale du fleuve pour ce grand rassemblement qui prend le brassage, mais aussi le développement de cette discipline. Au nom des populations de la prestigieuse cité du fleuve et au nom des autorités régionales, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. En effet, après le dernier championnat national tenu à Difa en 2018, c'est au tour de la région du fleuve d'accueillir cet important événement qui se déroulera durant 2 jours dans notre ville. Nous adressons toute notre reconnaissance à l'endroit de la FENI Boule. En vous exhortant au fair play et à la cohésion, je déclare lancer les activités du championnat national de sport boule de la Tillabéri 22. Pour cette discipline qui suscite un engouement certain dans notre pays, le Niger dispose de quelque 900 licenciés pour environ 70 clubs.